Ils étaient déjà irrécupérables. Irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10. Allez, cher ami, redonne-moi ton nom, s'il te plaît. Guy Bosson. Guy Bosson. Oui. Tu as 30 secondes chrono pour séduire cette femme en face de toi. Dès que je vais donner le top, tu as 30 secondes. Hey, moi, je te manage, mon gars. Faut pas faire dans le superflu. Tu es son coach. Tu es ouais, son coach. Ton coach. Vas-y. Ok. Fais, sois naturel. Sois toi-même. Ok. Vas-y, tout dans le regard. Tu vois. Tout dans le regard. Ok. D'accord. Puis, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis le coach de Lago. C'est malo. Les garçons sont pas bons. Je suis prêt. Garçon, attends. Ce garçon n'est pas bon. Il te dit ce que tu as envie d'entendre. Il va te dire tout ce que tu as fait. Il faut rester là. Tu as sorti une fois les trucs. Et puis là, le tenir, on va te dire allons se reposer. Tu dis tu veux pas. C'est trop tôt. Attends 3 mois. S'il n'est pas capable d'attendre 3 mois, c'est qu'il n'est pas fan de toi. Bon, d'accord. Après 3 mois, tu dis 1 an encore. Tu es prêt, Bosson? Oui, je suis prêt. Ok. Donc, top chrono. Drague. Bonsoir, Myriam. Te presse pas. Est-ce que tu sais que tu as un joli nom? Tu le connais ou faut dire je te connais pas, il m'en veut un rendez-vous. Ok, merci. Non, Michael, laissez-le. Il a le temps. Il a 30 secondes. Le ministre. Non, il est dans la tête. Non, c'est pas juste. On va reprendre. On va déconcentrer. Tu as 30 secondes. Pénalité. Les coachs n'ont pas le droit d'être sur la pelouse. C'est vrai. On va déconcentrer. Il t'a déconcentré. Donc, allez, on reprend. C'est parti. Top chrono. Ok, bonsoir, Myriam. Est-ce que tu sais que tu as un joli nom? Myriam ne répond pas et c'est lui seul qui part pendant les 30 secondes, tu ne réponds pas. Voilà, au fait, depuis que je t'ai vu tout à l'heure, franchement, je suis séduit. Voilà, franchement, tu me plais bien. Je peux pas le nier. Pendant qu'il parle là, va sentir sa bouche. Mike, pardon. J'avoue que tu as un charme particulier qui me plaît bien. Et puis voilà. Dis ça pendant qu'il y a de ses seins. Et top, c'est fini. J'avoue que tu as des yeux top, couleur top, de miel. C'est terminé. Les gars, écoute, merci écoute mon gars. Écoute Joe, c'est terminé, ouais. Écoute mon gars, finalement, je pense que je vais changer de poulain. Pourquoi? Non, mais franchement, t'as un piètre dragueur. Tu as vu, c'est pas un bon non, manager. Non, mais c'est pas fini. Elle va s'asseoir. Va t'asseoir ma chérie. C'est pas fini, il y en a une autre. Voilà. Viens ici, Irie. En plus, elle là, c'est pas un petit cœur. Elle là. Mike, tu peux laisser le gars draguer pendant qu'il drague? C'est une manière sérieuse de me dire de... J'ai honte. C'est bien envoyé. J'ai honte. Ça fait mal ta gueule. Bon, d'accord. Donc, tu as Irie en face de toi. La même chose, hein. Tu as 30 secondes pour lui faire la cour. Allez. Regarde, faut fermer le micro de Mike. Garçon n'est pas bon. Ok. Top, c'est parti. Ok, bonsoir. Comment va? Bien, j'espère. J'avoue que tu as des très beaux yeux qui m'ont séduit depuis le hall. Voilà, je peux pas te nier que tu es franchement belle. Voilà, j'avoue que je suis KO de toi. Voilà, vraiment KO. Voilà. Donc, franchement, j'avoue que mon cœur bat très fortement pour toi. Top chrono. Merci, c'est bon, c'est terminé. Merci, Bosson. Voilà. Alors, première leçon, mec, quand tu dragues, ne parle jamais d'amour au premier jour, parce qu'on sait tous que c'est faux. Tu dis, mais attends, c'est faux. Mais les filles vont dire tout à l'heure si elles sont intéressées. Hein, non, mais c'est le débrief avec mon poulain. T'as pas dit que c'était plus ton poulain? Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Samuel Amani. Samuel, c'est le second candidat. Moi, c'est mon poulain, Samuel. Allez, viens, Myriam. Dis-lui ce que tu penses. Non, moi, je pense que souvent, les femmes, elles aiment les trucs bien. Si tu penses, quand tu la vois, que tu penses que tu la veux, tout de suite, tu lui dis, moi, voilà ce que je veux. Si elle est d'accord, ok. Tu vois, au moins, elle aura vu ta sincérité. Si tu mens, elle va savoir. Ok, Samuel, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Tu l'as dit. Allez, top, c'est parti. Bonjour. Bonsoir, au moins. Okay. T'es tant si bonjour, bonsoir, tout ça. Non, mais c'est, en fait, je suis ébloui par ta beauté. Juste dire que je t'aime. Parle bien. Comme mouche aime la merde, en fait. Mais en tout cas, je suis la mouche, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas dit que t'es la merde, hein, tranquille. En plus, c'est le sens de l'humour. Non, mais en fait, ça a rien à voir. C'est sincère, okay. En fait. Ok. Non, mais elle est partie s'asseoir déjà. Hein, bon, non. Okay. Tu l'as traité de merde. Mais, mais top. Non, c'est fini. C'est bon. Il est là. T'as dit que non, t'es mais la mouche. Reste là. Et qu'elle était la merde. Reste là. Purée. Non, tu peux le dire. L'heure qu'il fait, tu peux dire putain si t'as envie. Putain de purée. Ah, j'aurais tout vu. Viens, Irie. Mais qu'est-ce qu'il dit? N'aime pas.
Dirigeant. Oh, vraiment. Ok, ben je signale que c'est bien un jeu de drague. Et qui ressemble bien à son et coach. Et je salue, tout, plus mon je salue toutes les mouches. Toutes les mouches de Côte d'Ivoire. Tu comprends pourquoi la goulotte t'a laissé. Non, 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 c'est en. Change ton poulain, je te jure. Bon, bah, t'as une autre chance, hein, Franglin. Ça, c'est Irié. Je te présente Irié. Et t'as 30 secondes pour lui dire qu'elle est une merde. Mais ça, c'est toi qui dois. Hein. T'as commencé comme ça tout à l'heure, donc je pense que tu vas aller jusqu'au bout. Top, c'est parti. Ok, bonsoir, Irié. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous aviez quelqu'un. Moi, je veux réaménager votre vie, en fait. Voilà, c'est-à-dire je veux apporter beaucoup de roses à votre cœur, vous rendre heureuse. C'est-à-dire, à la fin, je serai un peu ce que l'air est pour les poumons pour vous. Voilà, complète dépendance, fracas dans le cœur, franchement. Tu seras heureuse. Mon poulet wow. Mon poulet. Mon poulet. Mon poulet wow. Top chrono, voilà, merci. Faut déjà full, c'est ça, merci. C'est ce que je t'ai dit, mec. Merci, merci. Visiblement, elle, c'est pas une merde, parce que tu n'as pas dit ça. Ok, d'accord. Bah, il va falloir maintenant que chacune des filles fasse des choix, fasse un choix. Donc, Myriam va venir en premier. Myriam, qui t'intéresse? Myriam, t'as dit... La mouche. Tu vas lui poser la question comme ça, là, comme ça. Bon, d'abord, dis-moi, on va recueillir tes sentiments. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette drague? C'est agréable de se faire draguer comme ça? Ça dépend de la façon. Ça dépend de la façon. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu petit, on va prendre Bosson d'abord. N'a rien mangé. On va prendre Bosson. Arrête. Elle est facile. Oh, il faut le poulet. Elle veut du Yopougou. Tu as mangé mon poulet. Tu as payé. Il est dit. Il fait nuit. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué chez Bosson? Positivement ou négativement? Ou les deux? Négativement. Dans le micro. Tiens-le comme d'habitude. Ça fait pas longtemps que t'es seul. T'as pas perdu le réflexe quand même. Bon, négativement. Sa maladresse en tout cas. Faut laisser la chance aux gens de se racheter. Sa maladresse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par maladresse? Bon. J'ai senti un petit copier-coller façon une poésie connue. Quoi. Que tu connais en plus, ça t'a pas impressionné. Non. Okay. Ok, maintenant positivement, qu'est-ce qui t'a marqué? Bon, il a essayé quand même. Positivement, d'accord. Il a essayé quand même. Allez, ça c'était pour Bosson. Maintenant pour notre ami Amani. Bon, pour lui, je suis pas la merde. Juste te dis ça, quoi. Non, dis ce que tu penses, vas-y, exprime-toi, il fait nuit. Bon, on peut parler. J'aime pas les mouches. Yeah, ma petite, ta parole me poire. Je suis en vrai. Elle n'aime pas les mouches. Elle n'aime pas de la merde, non, mais elle n'aime pas les mouches. Wow. Yeah. Wow. Yeah. C'est mon poulet, d'accord, tu dis ça. Ok. Bon, ben, si tu dois faire un choix, même pas si tu dois faire un choix. Ouais, entre les deux. La mouche ou le maladroit? Le maladroit est mieux. Tu prends le maladroit? Oui. Le maladroit. D'accord, eh, Bosson, bravo. Hein. Irié, viens. C'est pas parce qu'elle a choisi Bosson que tu peux pas choisir Bosson. Et c'est là que le film a devenu intéressant parce que vous deux, allez devoir draguer Bosson après. Irié, dis-moi. Tu as été dragué par deux hommes ce soir. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment t'as vécu ce moment? Droit dans le micro, ça au moins tu l'as fait hier, c'est sûr, donc tu sais. Elle a une voix, écoutez bien sa voix. Je suis pas arrivé jusque-là. C'est réducteur pour le mec quand même, hein, je veux dire. Non, c'est le début, bon, ils ont été bien quand même. Ils ont été bien. Qu'est-ce que tu as aimé chez Bosson? Bon, il m'a fait rire. Il t'a fait rire, Bosson? Donc c'est un plaisantin, c'est ça? Et tu aimes quand les gens te font rire, c'est ça? Oui. D'accord. Rire, plaisir, jouissance, tout ça, ça va ensemble. Okay. Ah oui. Merci. Il fait nuit. Il y a des choses que je peux dire que j'aurais pas pu dire. Je pouvais pas dire ça le matin. Maintenant, je me lâche. Ok, c'est un cocktail Molotov. Maintenant, Amani, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce qu'il a fait ou qu'est-ce qui t'a pas plu? C'est pareil. C'est-à-dire. Bon, ça m'a pas impressionné. Ça t'a pas impressionné? En 30 secondes, t'as bien impressionné quelqu'un. Faut essayer de m'impressionner, voir. Tu penses que c'est facile? Les gens sont là. Bon, bah d'accord, maintenant il faut faire un choix entre les deux. Bon, je pense que j'ai pas trop de choix. Donc. Si, tu as le choix. Comment ça? Tu as le choix. Ils sont là, ils sont deux. Tu as le choix. Non, tu as le choix. Ça, c'est pour le suspense. C'est pas parce qu'elle a choisi que tu peux pas choisir aussi. Je veux pas aller. Si, tu peux aller sur ce qu'elle a choisi. Bon, dis Bosson. Vas-y, choisis Bosson. Choisis Bosson. J'aime pas manger dans les assiettes. Non, on prend pas de choix par défaut. C'est pas gentil pour Amani d'être un choix par défaut. Moi, j'ai pas dit. Je choisis Amani. Bon, non, tu choisis qui? Lui. Tu choisis Amani. Mais toi, mais vraiment. Bon,
la forme, quoi. Petit pour... Non, 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 on n'est pas dans la forme, là, en ce moment. On est dans un jeu très sérieux. Yo, moi, il bon, pour le jeu. Bon. Donc, tu choisis qui, finalement? Je choisis Amani. Tu choisis Amani? Oui. Choisis Bosso. Ah. Y'a quoi? Choisis. Choisis Bosson. Bon, bah elle a choisi Amani, hein. C'est son droit le plus absolu. T'as été touché c'est par ton dernier mot. C'est ton dernier mot. C'est ton dernier mot. Non. Ah, voilà. Bon, donc c'est quoi ton dernier mot? Je choisis Joe. Mais en fait, toi, t'es vraiment une femme, quoi. Vraiment. Tu veux une chose, tu veux le contraire. Je sais pas ce que tu veux, ouais, en fait. Bon, allez, femme, cette ouais. fois-ci, je te pose la question c'est pour la dernière fois. C'est vraiment ton dernier mot. Tu choisis qui? Lui, c'est qui? Bosson. Okay, ouais, le d'accord. Suspense, même film de suspense, même pardon, c'est même film de suspense. J'ai mal la télécommande de Mike. Là. Mike, mais c'est vrai, je sais pas, tu es particulièrement. Il y a pas pile la télécommande. Baisse le son. Il fait nuit, mec. Il y a pas pile. Il fait nuit, mec. Baisse le son. Les voisins dorment. Ah, c'est vrai. En bah, plus. Baisse le son. Comment on rit doucement? D'accord, ok. viens, ma chérie. Guédé Myriam, Irie. Vous devez maintenant convaincre notre ami Bosson. C'est Lala. De choisir. Bosson, ouais. Lève-toi. Il est en position de force. Comme un prince. Bosson, place-toi. Fais ton malin. C'est le moment. Fais ton malin. Voilà. Myriam. Myriam, vas-y, dis à Bosson pourquoi il doit te choisir, toi. Vas-y, Myriam. Allez, mon gars. Vérifie tes thunes dans ton portefeuille si t'en as assez. Tourne-toi et regarde son Bosson. Best man à côté, regarde tout ça, Bosson et parle-lui. Voilà. Parle-lui droit dans les yeux. Yeah. Regarde-le. Allez. Yeah. Il est commercial. Top chrono, tu as 10 secondes. Travail. Enfin, tu as 30 secondes aussi, vas-y. Il est élégant. Mike, elle va commencer. Vas-y. Okay, bon. Elle dit, c'est pas quoi dire. Ça décompte depuis, hein. Ça décompte. Oui, c'est vrai, tu n'auras pas à payer mon transport cher. Et puis, si tu aimes la qualité... À quel niveau, à quel niveau là? À tous les niveaux, à tous les niveaux. Sois voilà. Plus explicite. Il est 22h, t'inquiète, il fait tard. Bon. Tu peux libérer. S'il aime la qualité, voilà. Il sait où mais aller. Cite tes qualités, cite. Non, en privé. Et elle a fait un petit jeu de langue après en privé là. J'ai vu Bosson ses yeux en tourner. D'accord. Bah c'est ton tour, Dirier. En quoi est-ce qu'un jeu de langue peut faire tourner des yeux? Ça dépend de là où la langue part. Lui, hein, il a voix de dos, ça mais il sait qu'il a un jeu de langue. Ça dépend de... Ça dépend de... Elle n'était pas de dos, elle était de profil. Et j'ai vu sa langue. Belle, d'ailleurs. Dis-moi. Dirier, je vous ai dit la nuit, là. Moi, il me lâche. Moi, il fait un autre truc. Dirier, vas-y. Faut convaincre Bosson. Bon, moi, je vais pas trop parler. Si tu veux savoir, tu as qu'à me choisir. Donc goûter voix est bon, c'est ça? Bon, Bosson, il faut que tu fasses un choix. Tiens le micro. Fais ton choix. Je préfère choisir. Attends, laisse-moi te donner un petit conseil, s'il te plaît. Laisse-moi te donner un petit conseil, ok? Alors, Gourou Guéré, si t'es pas solide, si tu peux pas. Tu vas pas vieillir. Mais non, je te promets. Bété. Non, tu vas mal vieillir. Bété. Ça vaut le mélange gourol qui ah bon. Ouais. Ouais. Donc qu'est-ce que tu choisis? Bon, je pense que je vais oser. Je vais prendre la figure. Alors, Irie. Tu n'as pas de c'est en plus elle t'a dit qu'elle a des gars. Non, mais en fait, il aime le combat. Oui, il aime le combat. Il aime le combat. Oui, la concurrence. Mais c'est bien, c'est bien. On va suivre cette histoire-là. Ouais. Il te plaît. Finalement, tu commences à. Tu vois qu'il ose. Il a de l'audace. Il est pas mal. C'est pas tout le monde qui est audacieux. Regarde sa montre, regarde sa montre, regarde sa montre. Tu vois? C'est pas n'importe quoi. Oh, tu es trop compliqué. Non, mais en fait, ça, vous connaissez les gars. En fait, c'est un stratège, c'est un vrai commercial. Ouais, tu vois ouais, il sait une chose, il sait une chose. C'est ouais. Qu'il va rentrer avec lui parce qu'elle va prendre elle va profiter du taxi. Tu vois oh, il gère en même temps. Mais, voilà, c'est, mais tu es intelligent. Allez, on va les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jingle. Ils étaient déjà irrécupérables. Irrécupérables. Ah oui, c'est un métier. Mais là, on ne peut plus rien faire pour eux. La tribu signe son retour sur Jam avec un gros cadeau. Pour sa saison 10, le 7-9 devient le 6-10.